Aujourd'hui, je vous présente mon dernier tour de magie à l'aide d'un jeu de 52 cartes. Je vous montre les faces. Et pour cet effet, je vais utiliser 4 cartes. Par exemple, tenez les rois, pas mal. Avec les rois, nous allons essayer de faire un voyage dans l'espace-temps. Alors, c'est très simple. Je vais recréer ce qu'on appelle l'espace-temps à l'aide du jeu. Ça, c'est quelque chose qui est très 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 facile. Mais avant tout, j'aimerais vous présenter ce chemin à travers l'espace. Le premier roi va partir doucement sur la partie gauche. Mon deuxième roi va partir vers le centre. Et enfin, les deux autres, eux, vont partir le troisième et le quatrième. Alors peut-être un sur le dessus. Et enfin le dernier, je vais le laisser à vue. Enfin, plutôt ici. Voilà, parfait. Je referme l'espace-temps. Et là, bien au centre, je vais commencer le voyage. Vous êtes prêts? C'est parti. Le voyage, apparemment, s'est bien passé, car, rappelez-vous, j'avais laissé en bien à vue le roi de trèfle. Mais, si je claque ici, l'espace-temps a fonctionné, car, dans les tuiles, nous avons une carte, et pas n'importe laquelle, l'as de pique. Je claque dans un espace, ici, sous le tapis, nous avons une carte qui est apparue, qui n'est autre que le roi de cœur. Et enfin, je claque ici, une carte est aussi apparue, qui n'est autre que le roi de carreau. Et bien sûr, pour terminer, si je retourne mon jeu face en l'air, les rois n'y sont plus. Logique, car elles sont désormais sur le tapis. Tout le jeu peut être donné à l'examen. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.